Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune. C'est une histoire qui a été écrite par Léo Lioni et qui a été éditée à Les Lutins, l'école des loisirs. Petit Bleu et Petit Jaune. Voici Petit Bleu. Il était à la maison avec maman bleue et papa bleu. Petit bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit jaune, qui habite dans la maison d'en face. Ils aiment jouer à cache-cache et faire la ronde aussi. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et sautent. Un jour, Maman Bleue lui dit: je dois sortir, attends-moi à la maison. Mais Petit Bleu veut jouer avec Petit Jaune et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est Petit Jaune? Il le cherche par-ci, il le cherche par là, il le cherche partout, jusqu'à ce que soudain, à l'angle d'une rue, le voilà, tout heureux, il s'embrasse. Ils s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout verts. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Ils rencontrent Petit oranger, il grimpe sur une butte. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. Mais papa bleu et maman bleue disent: tu n'es pas notre petit bleu, tu es tout vert. Papa jaune et maman jaune disent: tu n'es pas notre petit jaune, tu es tout vert. Petit bleu et petit jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes jaunes et bleues. Ils fondent en larmes jaunes et bleues. Enfin remis de leurs émotions, ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on à présent? Maman bleue et papa bleu sont heureux de revoir leur petit bleu. Ils l'embrassent et le serrent très fort. Ils embrassent et serrent très fort aussi petit jaune, mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent tout verts. Alors, ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face porter la bonne nouvelle.
Tous s'embrassent avec joie et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner. Et voici la fin de cette histoire de Petit Bleu et Petit Jaune. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Je vous embrasse.